Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'histoire avec une histoire tout à fait inédite, il faut le dire, parce que très peu de gens sont au courant de découvertes archéologiques qui ont pu marquer à tout jamais, si je puis dire, d'une certaine façon, puisque c'est un basculement historique, l'histoire de l'Église en Orient et l'histoire de l'évangélisation de la Chine, qu'on voit comme quelque chose de somme toute assez récent. Eh bien, on va s'apercevoir d'une chose, c'est qu'en réalité, ça remonte au premier temps du christianisme. Alors, pour parler de ce sujet que l'on va développer sous l'angle historique, c'est un petit peu notre façon de voir les JO. Vous voyez, les JO, pour nous, c'est un petit peu un prétexte, bien sûr, pour évoquer ces chrétiens du bout du monde. Pierre Perrier, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes orientaliste, mais c'est plus une passion pour vous, hein, une passion universitaire. Vous étiez patron recherche-développement de Dassault Aviation, donc dans le domaine scientifique, membre fondateur de l'Académie des technologies. Puis, votre passion et votre foi, sans doute, qui vous a porté, oui, tout à fait, oui. Vous avez été amené à vous intéresser à ces histoires chinoises. Est-ce que vous avez été à plusieurs reprises en Chine pour des raisons extra-professionnelles dans ce domaine, Néa? Non, j'ai été deux fois en Chine, toujours dans des invitations d'université pour animer des cours et des recherches et pour participer à des colloques. Et donc je vais y retourner, mais je connaissais bien l'histoire chinoise avant, parce que ça fait partie des fleurons de l'Église de l'Orient. Et ce qui a été un petit peu surprenant, si vous voulez, pour moi, c'est lors de ma dernière visite en Chine, la fin de l'année dernière, j'ai été contacté à l'aéroport en fait de Pékin par un prêtre de l'église souterraine qui m'a dit « Ah, c'est très bien que vous veniez, j'ai poussé pour que vous veniez parce qu'on va essayer de vous faire rencontrer les gens qui ont fait avancer, point de vue archéologique, la recherche sur les origines de l'église. Et ça, c'est vraiment notre passé et ce serait très important que vous, qui avez une connaissance de l'Orient et une connaissance de l'église primitive, vous pouviez nous donner votre avis. » Je crois pouvoir dire, sans vous flatter, que vous êtes une référence quand même dans ce domaine, hein, de la recherche. Hein. Oui, dans le domaine plutôt de l'église des apôtres, de l'église, je dirais, orientale. Hein. Vous parlez l'araméen. Oui, le problème, si vous voulez, c'est qu'il y a une ignorance absolument énorme de la partie orientale de l'église. Les gens ont peut-être oublié que la moitié des apôtres sont partis en dehors de l'Empire romain. Ce qui surprend quand on... La moitié. Mais oui, la moitié. Il était tout à fait normal qu'ils partent en Orient puisqu'ils parlaient araméen, qui était la grande langue de l'Empire parthe, qui est la langue de communication jusqu'aux frontières de la Chine à l'époque de Jésus. C'est normal qu'ils soient partis en Orient, c'est normal qu'ils aient fondé des églises. Ce qui n'est pas normal, c'est que l'Orient, replié sur lui-même, par la séparation de l'Occident, s'est retrouvé avec un Occident l'ignorant complètement, sauf par étapes, un petit peu, si vous voulez, comme l'ennemi héréditaire vers l'Empire parthe par rapport à l'Empire romain. Hein, quand on dit par exemple Pierre comme Artaban en français, tout le monde ignore que Artaban était le roi des rois de l'Empire parthe, un empire plus grand que l'Empire romain, un peu moins peuplé, mais quand même très avancé au niveau culturel. Et donc on ne voit pas très bien cette vie de l'Église à l'Orient, qui a une très grande différence à celle de l'Occident, c'est qu'elle n'a jamais eu de Constantin, elle n'a jamais eu le pouvoir, et elle n'a jamais eu l'occasion d'être un 100% de la population, ou presque, comme dans l'Empire romain d'Occident ou l'Orient, ce qui donne une vision tout à fait différente de l'Église, mais il faut accepter. Eh bien, c'est cette vision que vous allez nous donner ce matin, Pierre Perrier. Nous allons en parler juste après les infos de 7h30. On se retrouve pour développer cet aspect tout à fait inédit de l'histoire de l'Église, l'Église de Chine en particulier. À tout de suite. Patron recherche-développement de Dassault Aviation, qui s'est beaucoup intéressé à la question, qui est en pointe sur ces questions de recherche des origines du christianisme dans des contrées que l'on a tendance à ignorer, ou du moins dont on a tendance à sous-estimer qu'elles aient pu être chrétiennes avant nous, quasiment. Mmh. C'est ce qu'on va voir justement avec vous, Pierre Perrier, avec un livre qui paraîtra bientôt, qui s'appellera « Thomas fonde l'Église en Chine ». On est en 65-68. Ça paraîtra aux éditions Le Sarment autour du mois d'août, hein, c'est ça? Oui. Est-ce que l'on peut commencer par la découverte
Pierre Bernier. Alors, la découverte, c'est la suivante. Il y a, en 1980, les archéologues chinois, dans le but, en fait, très précis d'ouvrir les grands sites archéologiques de la Chine à la circulation internationale et surtout au tourisme international, ont repris une étude qui était vaguement connue sur une falaise qui était recouverte d'arbres et de lierre, et ils ont dégagé tout ça et ils se sont aperçus que dessous, donc en 1980, il y avait des sculptures de trois niveaux, trois sculptures extrêmement, des bas-reliefs très bien construits, ensuite des dessins beaucoup plus fins, qu'ils ont estimés un peu taoïstes, et puis enfin des dessins et des gravures plutôt bouddhistes, en tout une centaine de figures. Trois très importantes, de taille un peu plus que la taille humaine, les autres de taille intermédiaire, disons 30-50 cm, et les dernières un peu plus petites, sauf trois un peu plus grandes, qui sont un peu la taille des presque humaines. Donc c'est le bas-relief de Kongguanshan. Voilà, c'est le bas-relief de Kongguanshan, et ils ont conclu un peu rapidement, à cause de quelques évidences dans les sculptures bouddhistes, qui étaient en fait les plus récentes, ils ont conclu que c'était l'arrivée annoncée dans la tradition chinoise relativement au bouddhisme, c'était l'arrivée de deux envoyés de l'Inde qui apportaient le bouddhisme au temps de l'empereur Mingdi, c'est-à-dire dans la deuxième partie du premier siècle, dans les années 70, pardon. Et donc, ça s'est mis en route. Si vous allez dans Paris 13e, vous allez trouver des tours opérateurs qui vous font passer à Liangang, le port, à côté duquel existe cette sculpture, et qui vous montre ces sculptures comme la mémoire de la fondation du bouddhisme. Bon, et puis, l'université... Je vous interromps, ce qui montre qu'elles ont une importance dans l'histoire chinoise même aujourd'hui. Voilà, oui, parce que c'est, tout ça correspond quand même à des textes qui existent, et puis c'est aussi donc la diaspora chinoise a envie d'aller voir ça, et donc il y a des tours opérateurs qui commencent par la fondation du bouddhisme en Chine, et par cette falaise. Et ils ont repris récemment, donc dans les années, il y a juste l'année dernière, il y a deux ans, ils ont repris à l'université de Nankin, dans le département d'études des religions populaires, ils ont repris l'étude de ces éléments-là, et en particulier des trois grandes figures qui étaient quand même pas du tout chinoise. Et puis c'est là où donc l'église souterraine m'a prévenu en me disant, vous qui êtes un spécialiste de l'église des apôtres, pouvez-vous nous dire si quand même c'est pas plutôt chrétien que bouddhiste ou taoïste? Et la réponse est oui. Comment leur est-il venu l'idée de vous poser la question? Ah, c'est, écoutez, je ne sais pas. De se poser la question de savoir si ça pouvait être chrétien. Non, le choix, à mon avis, il y a quelque chose qui est tout à fait évident, c'est qu'il y a une croix très visible. Et donc le schéma qui consistait à dire que c'était bouddhiste et qu'il y a une croix aussi visible était quelque chose qui à mon avis fait partie de l'inquiétude et de la reprise des études au niveau des archéologues de l'université de Nankin. C'était quand même assez normal, et quand j'ai discuté avec eux, je leur ai dit, bah attendez, il y a cette croix qui est absolument visible, et elle est tellement visible que on peut pas passer à côté, c'est pas possible, c'est le personnage le plus grand qui est sculpté dans quelque chose qui n'est pas du tout votre tradition et qui est une tradition du Khuzestan du sud de l'Empire Parthe, hein, c'est vers Persépolis, vous voyez, dans ce coin-là, vers le détroit, la Persique, là, et vers la châtel arabe, la fin de la vallée des deux fleuves, et c'est très complètement signé par ça, la façon dont c'est fait, ce n'est pas donc des Chinois qui l'ont sculpté, et c'est cependant complètement datable du 1er siècle, et surtout il y a cette croix, alors expliquez-moi. Mais alors les Chinois ne s'étaient pas aperçus ils étaient gênés, en réhabilitant le site que c'était chrétien. Non, c'est-à-dire que ceux qui ont dû regarder en réhabilitant le site en 1980 ont été frappés par ce qui était le plus visible pour un Chinois probablement bouddhiste, c'est-à-dire une représentation du Nirvana qui ressemble un peu à une représentation du Jugement dernier, mais qui représente seulement des gens assis à la mode de méditation bouddhiste, une ou deux petites sculptures qui représentent des épisodes de la vie de Bouddha. Mais ils n'ont pas réfléchi à ce moment-là qu'il y avait une incohérence complète entre ces sculptures qu'on sait dater à partir, en particulier certaines n'existent en Chine, qu'à partir d'une certaine sculpture très connue qui est de 311.
Oui, donc là, on est un siècle et demi après. La façon dont l'élément bouddhiste était représenté était quelque chose qui était incohérent en date par rapport à ce que revendiquaient les bouddhistes, qui était une arrivée au premier siècle du bouddhisme en Chine. Et donc, ça nous a amené à reprendre la totalité de l'histoire et à se rendre compte que c'était pas seulement le problème du bouddhisme, mais c'était le problème qui avait été identifié très bien. Donc, il y a en particulier un commentateur, un historien chinois de Fanier, du 4e siècle, qui annonçait déjà que ça ne pouvait pas être bouddhiste, que les bouddhistes le revendiquaient, mais ça ne pouvait pas être bouddhiste. Et que, dans l'empire de Mingdi, il y avait eu quelque chose d'extraordinaire qui s'était passé avec le frère de l'empereur, Ying, qui était le gouverneur de la province maritime, donc qui était le gouverneur de la partie où il y a le port et où il y a cette sculpture, et qui a un rôle absolument essentiel dans l'histoire de l'Église de Chine. Cet homme-là, parce que les chroniques parlent de sa conversion à la voix, or si vous avez entendu parler un petit peu des actes des apôtres, la voix, c'est quelque chose qui résonne tout de suite en vous, qui parle de cette religion particulière où il y a des jeûnes et pas de sacrifices. Là, vous entendez aussi, vous voyez, il y a un certain nombre de phrases qui sont tellement évidemment... Ça, c'est l'empereur chinois. C'est l'empereur chinois, c'est la chronique de l'empereur chinois. Et donc, la chronique de l'empereur chinois et de son frère, le prince Ying, gouverneur de la province maritime, qui seul pouvait donner l'autorisation de sculpter à cette époque-là. On donne l'autorisation ni de construire un temple, ni de sculpter quoi que ce soit, de façon aussi évidente sur la route impériale qui part du port et qui va à la capitale. Donc, la première, si vous voulez, comme un panneau publicitaire en tête quand vous rentrez en Chine, à partir du port qui desservait donc les grandes capitales. À ce moment-là, c'est Luoyang, mais un peu avant, c'était Xiamen, ce qui est devenu Xi'an. Et c'était à cet endroit-là qu'il y avait, manifestement avec la bénédiction de cet empereur, du frère de l'empereur, qu'il y avait cette représentation. Donc là, en discutant avec les chercheurs, ils m'ont dit, nous, on est absolument sûrs, par le recoupement de cet nombre de traditions, qu'elles soient bouddhistes ou qu'elles soient des chroniques impériales, on est absolument sûrs que ça se passe dans les années 65-68. Alors là, j'aurais dit, attendez, si ça se passe à l'année 65, si l'un des deux, puisque vous annoncez qu'il y a deux moines bouddhistes sont arrivés, si l'un des deux arrive en 65, alors là, j'ai le raccord complet avec le départ en 64 de Chine, pour la Chine, de l'apôtre Thomas à partir de l'Inde du Sud. Donc c'est tellement cohérent que maintenant, il faut tout réévaluer. Thomas étant arrivé par la mer. Thomas est arrivé par la mer parce qu'il est parti sur la route de la soie avec Barthélemy. Et en 1945, il a rencontré l'Empire Kushan, qui se fondait à ce moment-là, et qui était en train d'envahir l'Empire Parthe, et qui avait gagné d'ailleurs des victoires. Et donc il s'est replié sur la vallée de l'Indus, à Patala, où il est resté jusqu'en 1951. Et en 1951, il y a eu une nouvelle attaque de ce qu'on peut appeler des Sites, que les Chinois appellent des Yuezhi, et qui ont conquis la zone, en fait, où était le bouddhisme, et qui ont conquis la zone où était Thomas. Et Thomas, on sait de façon très précise qu'à ce moment-là, il est reparti sur Jérusalem, puis il est reparti sur l'Inde et il a fondé l'église pour aller en Chine, en fait, ne pouvant plus aller par la route de la soie qui était bloquée par cet empire qui voulait prendre la zone intermédiaire entre l'empire parthe et l'empire chinois. Il est donc reparti par l'Inde et il a d'abord fondé une église en Chine. Il a fait une petite tentative vers la Chine tout de suite après, et puis il s'est arrêté parce que, à mon avis, il a dû voir que c'était beaucoup plus long que ce qu'il pensait, le trajet, et qu'il lui fallait aussi des interprètes et des gens comme ça. Donc très vite, il va jusqu'à ce qui correspond au détroit de Malacca, il revient en Inde. Donc le détroit de Malacca, pour le situer entre la Malaisie et l'Indonésie. Voilà, c'est ça. Et donc c'est la petite zone de passage, et il faut bien comprendre sur ces navigations que chaque fois qu'il y a des zigzags dans la course, eh bien ça, on va contre le vent, c'est des bateaux à voile, et donc on s'arrête des fois pour quelques mois, parce qu'on attend que le vent le porte dans la direction qui va bien. Et donc là, il revient en Inde et il fait cette énorme fondation de l'église qu'on appelle maintenant Malabar ou Malankar, et qui, elle, est complètement attestée. La mort, d'ailleurs, après son exposition chinoise de Thomas en Chine, est
complètement attestée par son tombeau, qui a été fouillé, dans lequel on a retrouvé des pièces de Néron, qui sur lequel on a aussi retrouvé la danse, une partie des ossements. L'autre partie a été remontée à un moment donné à Édesse, et elle est actuellement à Ninive, à Mossoul. Elle est dans une église à Mossoul, l'autre partie. Et la cathédrale de Madras également. Voilà, alors il y a la cathédrale de Madras, il y a toute cette zone-là énorme, et puis il y a d'ailleurs les Indiens sont en train de faire un très grand film sur Thomas pour faire la mémoire de ça. Pierre Perrier, comment dit-on évangile en araméen ? Ah, alors il y a deux mots, il y a un mot pour l'évangile en général, qu'on dirait plutôt la bonne nouvelle, Swarta, et quand il s'agit du lectionnaire qui fait le tour de l'année, c'est Karozouta Duangelion. Alors on a repris le mot grec, parce que c'est en grec que ça a été édité régulièrement, mais on l'appelle plutôt Karozouta des apôtres, c'est-à-dire prédication des apôtres. L'évangile en union avec nos frères de Chine. Radio Notre-Dame, Radio Notre-Dame, le grand témoin. Et de retour après l'évangile, c'est Pierre Perrier ce matin qui nous accompagne dans une histoire tout à fait inédite, celle des premiers temps du christianisme en Chine, la Chine évangélisée par saint Thomas, alors que l'on fait remonter classiquement la présence des chrétiens en Chine à des périodes beaucoup plus tardives, qui renvoient aux alentours du XVIe siècle. Vous êtes orientaliste, Pierre Perrier, membre fondateur de l'Académie des technologies, vous étiez patron de la recherche et du développement chez Dassault Aviation. Vous êtes intéressé à cette histoire chinoise et à l'histoire de l'évangélisation de la Chine à l'Orient par passion personnelle, à titre universitaire. Vous êtes une référence en la matière et vous nous expliquez ce matin ce qu'il en est précisément de cette découverte de la paroi rocheuse à Kongwanshan, qui se trouve à quel endroit précisément en Chine, si on devait donner une idée? C'est un peu au nord de Shanghai, quand on remonte la côte, jusqu'au moment où on rencontre les grandes boues qui sont sur le rivage et qui correspondent à l'estuaire du fleuve jaune, qui est très chargé. Hein. Et donc les ports ne remonte pas très haut, et donc c'est la limite un petit peu de ces zones-là, de la zone boueuse, où on a un vrai port très facile, qui est Lianungang, et qui s'appelle le port Touche-Nuage, et qui est toujours actuellement un grand centre industriel, avec plus d'un million d'habitants, avec une industrie chimique, une industrie atomique qui n'est pas négligeable. Est-ce que l'on peut voir des photos aisément de ces bas-reliefs que vous nous avez décrits? Oui, vous regardez sur Google. Sur Google, vous prenez Lianungang. Hein, c'est un peu difficile. Donc, Lianungang. Voilà, et vous allez trouver de très belles photos de Thomas et de son diacre traducteur qui est à côté de lui et qui a une position assez typiquement hébraïque. Il a la main levée à droite, non pas la main des bouddhistes. La main des bouddhistes, c'est une main fermée qui correspond au relèvement d'une position d'apaisement, de paix. Donc on la met toute droite. Par contre, il s'agit de la position d'affirmation. Quand vous jurez, vous voyez ça dans les films américains, quand on jure devant le tribunal avec le pouce écarté des autres. Votre honneur. Voilà, votre honneur. Voilà. Et donc c'est l'origine est tout à fait moyen-orientale, et c'est la façon de jurer, d'affirmer que ce qu'on dit est vrai. Et il tient dans la main gauche, comme sur les icônes, un rouleau, qui est un rouleau de ce qu'il affirme. Et donc là, ça fait partie d'un ensemble, donc avec Thomas qui est à côté, d'un ensemble qui représente la liturgie de la messe. C'est-à-dire là, c'est la liturgie de la parole. Il y a un petit chinois assis à côté, noble, et donc ça doit être le prince Ying. Et sur la gauche, vous avez un autel avec des croix, et vous avez Thomas qui est en habit de cérémonie, tout à fait comme si vous connaissez l'habit de cérémonie des évêques orientaux, c'en est assez proche, et tient dans la main sur sa poitrine une grande croix. Et c'est cette grande croix qui est très caractéristique. Elle a d'ailleurs été ébréchée vers le haut de façon volontaire. Comme ça a été martelé. Hein. Ça a été martelé, voilà. Et les trois endroits où figure une référence très forte au christianisme ont toutes eu des petites incisions, etc., pour essayer un peu de les défigurer. Non, j'accuse personne, je dis simplement, c'est très traditionnel, si vous voulez, dans les périodes où on veut se débarrasser de quelque chose, ben on attaque un peu les témoins. Mais c'est tellement lisible que ça n'a pas marché. Alors, il y a une autre sculpture, qui est la troisième, qui est la plus extraordinaire, qui était en fait une sculpture de... Donc, attendez, je vous arrête. La première, c'est Thomas avec son interprète. Voilà. La deuxième... Non, c'est Thomas seul, devant l'autel, avec la croix sur sa poitrine, cette fameuse croix sur la poitrine, qui est une croix typiquement orientale.
orientale, qui a un petit agneau à la croisée de la croix. Un petit agneau, on voit bien pourquoi. Et puis, donc, comme s'il s'apprêtait à bénir. Et puis, vous avez à côté ce diacre, dont on apprend le nom par la tradition chinoise, il s'appelle Shufarlan. Shufarlan, c'est en araméen, ça signifie celui qui est l'annonceur pour nous. Le shofar, hein, si vous entendez bien, vous l'avez dû l'entendre dans le monde hébraïque, c'est l'annonceur, l'âne pour nous. C'est celui, donc, qui est le diacre, qui annonce l'évangile, en fait, en chinois. Hein. Et puis, un peu plus loin sur la falaise, vous avez un peu en hauteur, vous avez une grande sculpture d'une femme qui elle aussi a été un peu martyrisée, mais qu'on reconnaît complètement dans une position totalement inédite. C'est la Vierge Marie avec son enfant sur elle, dans une position que personne n'avait jamais vue, dont on peut découler les icônes. Plus récente de nativité, mais qui est tellement extraordinaire que il faut savoir la peine qu'on en parle. Donc c'est comme sous sa protection, si vous voulez, de cette nativité, que se fait le trajet dessous des Chinois. C'est comme toutes les petites sculptures, il y en a donc une trentaine de personnages. C'est comme tous ces petits personnages partaient de la droite et allaient sur la gauche pour rejoindre la liturgie. Et à la fin, on a donc probablement le prince Ying assis à la liturgie à côté des tout humbles. Entre-temps, un peu sous la Vierge, il est en train d'un... Le fils de l'empereur. Frère de l'empereur. Le frère, pardon, dont vous parliez tout à l'heure. Voilà, qui est le gouverneur de la province maritime dont dépend le site de Kongguandan et le port. Alors, j'aimerais qu'on revienne évidemment sur cette falaise de Kongguanshan qui nous occupe ce matin, puisque c'est une découverte archéologique qui remonte aux années 80. Puis, en dépouillant un petit peu les choses, vous avez été convoqué par les autorités chinoises pour savoir un petit peu ce que vous en pensiez. Et vous qui parlez l'araméen, qui avez une grande connaissance du monde oriental des premiers temps du christianisme, vous avez attesté qu'il s'agissait d'une preuve de la présence du christianisme par Thomas, arrivé par la mer, et qui s'est donc, qui a converti. Est-ce que c'est vrai qu'il a converti? Est-ce que l'empereur, justement, qui a autorisé cette falaise, que l'on va redécrire encore, a autorisé le christianisme et que c'était le point de pénétration du christianisme en Chine? Alors, en fait, c'est le prince Ying dans sa province qui l'a autorisé, puisqu'il a laissé faire cette sculpture. Cette série de sculptures, cette grande série hein, qui s'étend sur 25 mètres avec ces trois grands personnages qui sont taille humaine, et Thomas est même un peu plus grand que taille humaine, et il a autorisé ça, et en fait, ce qu'on voit d'après les recherches archéologiques, de la suite des recherches archéologiques, c'est que la prédication a dépassé largement la province maritime. Et donc là, ça a posé un énorme problème parce que les conseillers de l'empereur se sont élevés contre cet envahissement d'une religion inconnue. Et on pensait que le prince Ying voulait en profiter pour prendre le pouvoir sur son frère. Et donc, ils ont, alors que, paraît-il, l'empereur aimait beaucoup son frère, il l'a destitué à la demande des conseillers de l'empereur. Il l'a destitué de son rôle de gouverneur et il l'a même obligé à se suicider, ce qui était la façon habituelle de tuer les gens, puisqu'on n'osait pas porter la main sur quelqu'un de sang impérial. Et donc, on l'a obligé à se suicider l'année 71. Ce qui veut dire que c'est très, très étroit parce que cette sculpture est typiquement une sculpture qui représente dans la tradition parthe, au moins la tradition des trois grandes sculptures parthes, quelque chose qu'on fait après le départ, qui est une commémoration. Donc, c'est postérieur à 68. Et c'est antérieur à 70, puisque en 70, le prince Ying ne dirige plus. Il n'aurait plus autorisé ça. Donc, vous voyez, c'est complètement ciblé, connu, etc. Et en plus, comme on a fait, on a retrouvé dans un certain nombre de musées ou de collections, dans toute une zone qui représente peut-être un millier de kilomètres, et sur les deux ou trois siècles qui suivent, des croix,
on est sûr que ce débordement a eu lieu. C'est-à-dire que dès le temps du prince Ying, l'annonce de l'évangile s'est répandue comme une traînée de poudre dans l'Empire, obligeant à cette réaction, à ce premier martyr, si on peut dire chinois, qu'est le prince Ying. Et ce qui est extrêmement important, c'est que ce qui est raconté dessous correspond pas. Il y a trois, en fait cinq cartouches, mais on en a trois qu'on a bien analysées, cinq petites cartouches. C'est-à-dire des petites sculptures, mais qui sont bordées dans un rectangle et qui sont très bien dessinées comme les sculptures les peintures de l'époque, et qui représentent d'abord la rencontre de Thomas et de son adjoint avec l'empereur. Alors c'est très amusant parce qu'on reconnaît tout de suite Thomas et son adjoint parce qu'ils ont des boîtes de barbe qu'on a représentées, donc il n'y a pas d'ambiguïté, c'est pas des Chinois. Et puis l'autre représente la relation avec le prince Ying, qui va donc conduire au trajet du prince Ying vers la célébration. Mais il y a une chose qui est au début et qui est très caractéristique, absolument surprenante, puisque c'est décrit dans la chronique des empereurs chinois pour l'empereur Mingdi, c'est le songe qui a eu lieu en 64, une année avant, et il apparaît au pied de l'empereur, apparemment venant de l'Orient, une grande personne de près de 2 mètres, qui n'est pas chinoise parce qu'elle a des cheveux, alors on peut traduire soit blond, soit châtain, si vous voulez. Elle est de type plutôt parthe, avec un visage qui n'est pas un visage, donc ça exclut que ça soit un Indien. Hein, c'est un visage aussi clair, blond. Ça exclut que ça soit un Indien. Par la taille, par la barbe, ça exclut que ça soit un Chinois. Et cet homme apparaît lumineux avec une auréole et regarde l'empereur simplement. Et donc ce songe frappe tellement l'empereur qu'il leur donne une enquête pour savoir ça. Et vous savez, ce songe est un songe annonciateur de la venue de Thomas. Et il est représenté sur le rocher. On voit l'empereur. Combien de temps avant l'arrivée de Thomas ? 64, l'année d'avant. Il a tout de suite reconnu Thomas, voilà, quand il est arrivé. Voilà. C'est le moment où Thomas quitte l'Inde. C'est comme si les deux étaient, comme si le Christ, dès l'acceptation par Thomas du départ pour la Chine, dès sa mise en route, le Christ apparaissait à l'empereur. Et si on veut faire une comparaison avec l'Occident lointain, il faut être conscient que c'est le début des grandes persécutions sous Néron, hein, l'autre empereur. Il y a les deux empereurs des deux grands empires vraiment constitués, qui sont l'empereur de Rome et l'empereur de Chine, qui se connaissent au moins par on dit, puisqu'il y a un énorme trafic de soie, de tas de produits orientaux, et un énorme trafic d'or vers la Chine, ce qui va d'ailleurs épuiser les réserves d'or de l'Empire romain. Hein, et cette chose-là se passe en 64. Et pendant la grande persécution de Rome, où Pierre et Paul vont trouver la mort, c'est à ce moment-là que s'établit l'Église en Chine avec Thomas. Alors c'est évidemment un point capital, Pierre Perrier, puisque ça veut dire que l'Église catholique en Chine n'est pas de facture récente. Oui, alors, elle n'est pas exogène. Elle n'est pas exogène, et en plus de ça, c'est une erreur de penser que la suite, qui est ce qu'on appelle en général les Nestoriens, ce qui est une appellation péjorative, etc., qui est complètement fausse. L'Église de l'Orient n'a jamais été. Nous avons eu par exemple la visite sous Philippe le Bel d'un envoyé du patriarche qui était chinois à ce moment-là, de l'Église de l'Orient, qui était basé dans l'ancien empire parthe, à Maraga, au nord, et qui était envoyé du grand camp pour rencontrer le pape et le roi. Et il a célébré à ce Saint-Germain-des-Prés, célébré avec le pape à Rome, il a reçu la communion des mains du pape de Rome. Donc il n'y a jamais eu ces liens bizarres qui sont. On a affecté à ces chrétiens qui ont une structure beaucoup très judéo-chrétienne de la foi, assez différente de la structure très organisée et très intellectuelle de l'Occident, on leur a affecté une position un petit peu d'hérétique qu'ils n'ont jamais eue. Or, l'Église de l'Orient continue, elle arrive sous les Tang, à un moment donné où les Tang s'ouvrent au monde extérieur, au grand commerce extérieur, elle arrive et elle s'installe en Chine, et elle devient très importante, puisque avec la bénédiction de l'empereur, ils vont s'étendre sur 40 grandes villes, avoir 5000 moines. Dans ces villes, il y a des bases monastiques,
et fonder l'Église en Chine avec 25 évêchés. Est-ce que les gens en sont conscients? Et cette énorme Église de Chine va subir après une persécution. Mais quand cette Église de Chine se fonde elle-même sous la forme d'un monastère base de mission, qui est situé donc sur la route de la soie, un peu à l'extérieur de Xi'an, une cinquantaine de kilomètres, et dans l'endroit où était le taoïsme, volontairement, par une décision de l'empereur, parce qu'il considère que la chrétienté est l'achèvement de la sagesse du taoïsme, pour lui, donc à cet endroit-là, se bâtit une pagode, comme s'était bâti une pagode à la capitale des Han. Et cette pagode est, d'après la tradition, la première pagode de Chine. Et dans cette pagode des Tang, donc en 650, on sculpte une vierge qui est exactement la même que celle de Kongguangshan. C'est-à-dire qu'ils savaient à ce moment-là qu'ils faisaient renaître une église souterraine, mais qui avait vécu et qui avait eu son apogée, pas seulement sous l'empereur Ying, mais probablement au 3e, 5e siècle, donc quelques siècles avant, qui avait un peu disparu devant le succès du bouddhisme, qui est un bouddhisme qui hérite d'énormément de choses, qui est syncrétiste et qui hérite d'énormément de choses de la chrétienté, et qui donc couvre la chrétienté d'une certaine façon, et à ce moment-là, quand ils font dans cette pagode-là, ils font une représentation de la Vierge exactement, alors elle est martelée elle aussi, mais malgré le martelage, on retrouve exactement la position très particulière de cette Vierge. Vous pouvez nous la décrire de nouveau, cette position, peut-être vous évoqué les lignes tout à l'heure. Alors, imaginez une seconde que vous connaissiez une femme qui est proche d'accoucher, et qu'elle s'assoit par terre, ou sur un lit, si vous voulez, et vous voyez tout de suite qu'elle écarte les jambes de façon à pouvoir mettre la place de son enfant devant elle. Et donc elle a une position qui n'a rien à voir avec les jambes écartées d'un sadhu hindou ou d'un bouddha. Elle a une position ouverte simplement pour que l'enfant soit présent. Et c'est cette position exacte qu'on retrouve exactement dans les traditions de l'Empire parthe et de la tradition de Palestine, la position des femmes qui s'assoient par terre. Parce que c'est quand même, quand on n'est pas riche, on s'assoit par terre. Hein, pensez à la grotte de Bethléem. On s'assoit par terre et là, on écarte légèrement les jambes de façon à, en général, en mettant une jambe, sa jambe gauche est complètement à plat, l'autre est relevée et tenue de la main. Et dans cette position-là, il y a l'enfant, non pas à l'intérieur d'elle-même, mais visible à l'extérieur. Donc c'est une représentation exactement de la nativité miraculeuse de Marie. Mais pour les Chinois, quand on discute avec les Chinois, c'est presque scandaleux parce qu'on ne représente jamais les choses comme ça. On ne représente jamais une femme de face avec les jambes un peu écartées avec son enfant. C'est quelque chose qui se passe dans la maison qu'on ne représente pas. On ne le représente pas non plus à Byzance. Donc toutes les icônes qui vont présenter la nativité vont petit à petit les faire échapper à cette position assise pour les mettre d'abord sur un tabouret pour que la Vierge ait une apparence impériale avec trois étoiles qui représentent le rappel de la virginité avant, pendant et après la naissance. Bon, alors que simplement ces trois étoiles sont là pour les nativités pour rappeler en fait ce qui s'est passé avant, c'est cette icône à la mode parthe, gravée en bas-relief, et qui représente la nativité. Excepté pour l'Occident, alors en Occident, on représente la Vierge à genoux dans la grotte, voilà, essentiellement, et avec l'enfant dans la Méjoire. La Pietà, bien sûr. Voilà, et l'enfant dans la Méjoire à côté. Et alors elle n'est jamais dans cette position-là. Elle n'est jamais dans cette position-là, mais on a une icône traditionnelle byzantine qui est dans cette position, dans la position intermédiaire. Et elle est, pour les gens qui connaissent la belle mosaïque de Montréal en Sicile, qui est inspirée de ces icônes, vous avez une très bonne conservation de la Vierge au moment où elle pose l'enfant à côté d'elle sur la mangeoire. Et elle est à ce moment-là assise et elle a les jambes croisées. Et donc on voit exactement, juste après, si vous voulez, la représentation orientale de Kongguangshan et puis de Lu Guangtai, on trouve la Vierge est en train de poser comme se tournant pour poser l'enfant sur la mangeoire. Est-ce que les chrétiens de Chine aujourd'hui qui vivent des temps très difficiles, on ne va pas faire de la géopolitique ce matin de manière trop démesurée, puisqu'on est vraiment sur un aspect historique tout à fait inconnu de la plupart de ceux qui même connaissent le christianisme peut-être, est-ce qu'ils savent qu'à Kongguangshan, ils ont là
une racine de leur foi? Alors, en fait, ils le savent confusément. C'est-à-dire que, à côté de la grande tradition écrite chinoise, qui est la tradition des lettrés, et qui est interdite de transmission pour un certain nombre de choses, si vous voulez, comme le privilège des rois en France, ou ce qui se passait dans les pays marxistes, en URSS, et la Chine est quand même dans un peu cette situation-là, eh bien, il n'y a pas de grandes gravures sur la pierre, il n'y a pas de grands écrits qui sont transmis, qui racontent ça en détail. Par contre, j'ai constaté que les gens de l'église souterraine transmettent, et ceux aussi de l'église officielle, transmettent cette tradition sans bien la cerner, en disant « mais nous sommes là depuis toujours ». Nous sommes là depuis toujours, depuis l'origine. Et je donne un petit exemple. Je vais à Lugwantai, donc la pagode de base de la mission sous les Tang, bâtie en 650. Là, je rencontre une petite vieille bonzesse bouddhiste. Et elle m'invite à aller brûler des petits bâtonnets là devant un Bouddha. Je refuse, je suis chrétien, je ne vais pas accepter. Et je lui dis quelle est cette pagode? Et elle me dit c'est une pagode bouddhiste. Je dis non, c'est pas une pagode bouddhiste. D'abord, elle est sur une plateforme qui est est-ouest. Tous les temples de Chine, sauf les temples chrétiens, sont nord-sud. Donc c'est pas possible. Ensuite, il y a cette sculpture à l'intérieur. Et puis il y a une autre sculpture aussi extraordinaire qui représente l'arrivée de Thomas à Ninive. Donc la sculpture dont vous parliez tout à l'heure qui représente la Vierge. Voilà, donc il y en a une deuxième qui représente la conversion de Ninive par Jonas. C'est comme la conversion de la Chine, si vous voulez. Qui est l'image de la conversion de la Chine. Et alors elle me dit, non, je reconnais, c'est taoïste. Je dis, mais non, c'est pas taoïste. Alors elle finit par me dire, oui, vous avez raison, vous savez tout. En fait, c'est vrai, c'est une église chrétienne de l'Occident. Entre cette découverte, celle de Kong Wanshan, je le rappelle, et j'allais dire les temps immémoriaux de l'église, est-ce qu'il y a eu des traces qui attestent cette présence chrétienne à l'endroit où on se trouve aujourd'hui? Alors là, c'est aussi une catastrophe. Les jésuites, par exemple, en ont déjà parlé. Alors, Matteo Ricci en a parlé. Matteo Ricci était convaincu que Thomas était venu en Chine, parce qu'il avait vu les archives, et on ne parle pas sous la forme de Thomas directement, mais pratiquement. D'ailleurs, son nom est légèrement modifié, très souvent la mode chinoise, au lieu de dire Thoman, c'est-à-dire notre Thomas, celui qui est venu pour nous enseigner, et Shufarlan, on dit, la forme exacte en araméen, c'est Shlié Thoman ou Shufarlan. Bon, les apôtres que sont Thomas et son adjoint, son annonceur. Bon. En araméen, ça c'est clair, et en chinois, c'est She, Moten et Shufarlan. C'est-à-dire qu'ils ont un peu inversé la chose. Bon, les siècles sont là, hein. Mais j'accuse personne dans ce schéma-là, mais on devine tout, et il y a d'autres noms dont on retrouve complètement. Mais ce qui est absolument fascinant dans cette période-là, c'est que quand on veut bien lire les chroniques de l'Église orientale, que nous n'étudions pas, parce que c'est en araméen, c'est pas édité en français, ni en anglais, en ce moment à Bagdad, dans une pièce, et on prie le ciel qu'il n'y ait pas de bombe qui tombe dessus. Bon, mais les gens, comme le professeur Dauvilliers, le professeur de droit de Toulouse, qui a beaucoup travaillé là-dessus, à la suite du cardinal Tisserand, eh bien, il a retrouvé, par exemple, l'attestation de la présence d'évêques au moment de Nicée, un évêque de la Chine. On retrouve, au moment du grand synode de Marisac, qui est en 402, on retrouve qu'il y a l'archevêque de la capitale qui vient, pour le synode, pour continuer la liturgie dans l'Église de l'Orient, on en trouve tout le long. On trouve régulièrement, par exemple, quelqu'un qui s'appelle, dans la truc chinoise, qui s'appelle Han Shigao. Or, ben, Han Shigao, moi je regrette, j'entends en araméen, Nan Ishua. Qui est le nom classique d'un moine qui vante la miséricorde de Dieu.
bon, et qui s'accroche à la miséricorde de Dieu. Donc, vous voyez, il y a tout le long de l'Empire, maintenant, il faut faire une étude, et on va trouver, j'en suis persuadé, d'une part, toutes ces croix enfouies, on a retrouvé aussi une tombe qui est tout à fait caractéristique, complètement chrétienne, donc on va retrouver tout le long de l'histoire de Chine, et avec toutes ces petites croix réparties partout, on va retrouver qu'il y a eu une église souterraine continuelle depuis l'origine. Pierre Perrier, je rappelle, vous êtes orientaliste, mais vous étiez tout au long de votre carrière chez Dassault Aviation, vous êtes occupé de la recherche et du développement, membre fondateur de l'Académie des technologies, que vous allez publier bientôt, Thomas fonde l'Église en Chine aux éditions du Sarment. Est-ce que, puisque l'on parle de recherche précisément et que ça a été aussi toute votre vie d'une certaine façon, est-ce que ça fait l'objet aujourd'hui d'un réel attrait de la part des chercheurs, des universitaires qui peut-être passent outre le laïcisme ambiant pour se dire que voilà, il y a un véritable objet historique? Bon, écoutez, maintenant, il faut d'abord que les gens s'en rendent compte. Hein, ça s'est répandu un petit peu, là, comme une petite traînée de poudre parmi les gens. Bon, mais peut-être. Depuis combien de temps? Mais non, mais là c'est depuis la fin de l'année, depuis l'étude qu'on fait en posant des questions. C'est tout récent. On a travaillé avec le musée Guimet, etc. Donc, on a réuni tous les gens compétents. Quelles sont les réactions? Alors, il y a deux types de réactions. Les réactions des Chinois et les réactions des Français. Alors, les réactions des Français, tout de suite, c'est très simple. La réaction des Français, c'est « on en a jamais parlé, ça ne doit pas être vrai ». C'est un petit peu le réflexe, comme on a trouvé la stèle de Xi Yanfu et qu'on a dit « c'est pas possible », etc. Et qu'on a vu les textes des jésuites qui disaient « mais il y a eu une prédication très antérieure », etc. Refus, nous ne voulons pas admettre que l'Orient ait eu une telle importance. Parce qu'il y a quand même une époque où il y avait 60-70 millions de chrétiens dans l'Orient, et pratiquement autant qu'en Occident. Et là, on ne veut pas l'admettre, ce truc-là, ni les persécutions qui les ont réduits. Bon. Et puis alors, il y a une autre réaction du côté chinois qui est assez extraordinaire. C'est-à-dire, ou bien vous rencontrez quelqu'un qui est de tradition confucéenne, et quelque part, il sait plus ou moins, et quand on lui donne les textes, qui sont en fait en général les textes de lettrés, et qui disent qu'il y a eu la prédication tout à fait au début d'une voie donc qui recommandait le jeûne et pour les sacrifices, qui était une voie de vertu, qui était une voie de prière, etc. Bon, ils disent, mais oui, c'est vrai, ça fait partie d'autres traditions, et c'est très proche de ce que disait Confucius. Et ça, c'est un peu l'intuition de Matteo Ricci. Bon. Et puis alors, il y en a eu d'autres catégories de Chinois, en dehors de ceux qui sont communistes et que pour lesquels c'est embarrassant et qu'il ne faut pas trop en parler, bien que peut-être que les chrétiens pourraient faire un lien avec l'Occident plus fort pour la technologie, pour tout ça. Bon. Et là, c'est les Chinois qui sont d'origine bouddhiste et qui s'aperçoivent que le bouddhisme qu'ils connaissent est un mélange de quelque chose fabriqué, en fait, et que la base des choses les plus importantes, pas de la réincarnation, mais des choses de toute la miséricorde, toute cette façon d'avoir un lien de respect mutuel, c'est en fait une base chrétienne. C'est le bouddhisme chinois n'est pas le bouddhisme indien de ce point de vue? Non, pas du tout. Pas du tout. Non. Il a été en quelque sorte reformé par le christianisme. Pas par le christianisme. C'est l'Empire Kushan, celui que Thomas a rencontré et qui a essayé de faire un espèce de syncrétisme entre le bouddhisme du l'hindouisme et puis le christianisme. Et il a fait cette espèce de synthèse, de syncrétisme, qui lui a envahi la Chine. Et comme les Chinois, naturellement, peu au courant, étaient plutôt syncrétistes, ils avaient plutôt envie de prendre le meilleur partout. Ils sont rentrés dans ce jeu-là, un peu aussi parce que les bouddhistes ont toujours eu un très grand effort de relation avec les princes, avec le pouvoir, et avec la partie féminine des pouvoirs. Et donc on voit continuellement dans la Chine cette balance avec une espèce de religion populaire que les lettrés considèrent un peu mal, mais qui est plutôt bouddhiste, et qui, elle, essaye de trouver un équilibre dans la Chine par rapport aux gens raisonnables qui sont les confucéens, mais ils ne sont pas si raisonnables que ça quand ils veulent avoir le pouvoir. Donc c'est cette position très inconfortable des chrétiens qui a fait que leur levain a profondément marqué la Chine. Et si nous reconnaissons parmi les Chinois beaucoup de choses qui nous sont proches, je pense que c'est aussi par ce lien profond du levain de l'Évangile. Est-ce que c'est une porte d'entrée dans une conversation avec un Chinois aujourd'hui,
de dire, bah oui, les chrétiens, je suis chrétien, mais en fait, nous sommes dans la place, si je puis dire, depuis très longtemps. Ah oui, ça, c'est quelque chose qui les passionne absolument. Parce que le fait que leur Église, que l'Église se soit fondée, non pas à Rome, d'une certaine façon, mais qu'elle soit allée s'installer à Rome parce qu'elle avait la sécurité de l'Empire romain et qu'elle avait gagné, si on peut dire, la bataille des persécutions contre l'Empire romain, et la bataille de la culture contre ce monde gréco-romain, mais le fait qu'eux-mêmes aient été évangélisés en portant du Moyen-Orient et de la zone parthe, qu'ils connaissent bien, avec eux c'est l'Empire qui était le plus proche d'eux, c'est quelque chose qui les remplit d'une joie extraordinaire. Parce que, quelque part, ils peuvent dire aux Occidentaux, mais non, nous sommes aussi de la grande tradition, peut-être meilleurs que vous. Merci beaucoup Pierre Perrier, merci d'être venu nous parler ce matin de la découverte de cette paroi rocheuse de Kong Wan Chan qui signe la présence chrétienne dès Saint Thomas, dès les premiers temps du christianisme, de nous l'avoir, si je puis dire, dévoilé. Vous y reviendrez assez abondamment dans un ouvrage, Thomas fonde l'Église en Chine, aux éditions du Sarment. Peut-être un jour que Benoît XVI ira à Kong Wan Chan, ce serait un souhait. En tout cas, c'est le début, parce que c'est une épopée qui commence tout juste. Voilà, tout à fait. Donc on va suivre évidemment tous les dénouements, tous les épisodes dans les mois et les années qui viennent, et vous aurez certainement l'occasion de revenir en parler. Je vous remercie beaucoup. Vous êtes orientaliste et puis vous êtes membre fondateur de l'Académie des technologies. Vous étiez à Dassault Aviation, dont vous avez été le patron recherche-développement pendant de nombreuses années. Merci, à bientôt.